Cédric? Vraiment nerveux. Pourquoi t'es nerveux? Ben, je rencontrais Louis-Jean Cormier. Salut! Hey! Ça va bien? Salut, ça va toi? Oui, ça va très bien. J'ai l'impression de te connaître parce que je t'ai vu dans mon écran de Pro Tool pendant un mois et demi. Aïe, aïe. Enchanté? C'est vraiment la première fois que je fais un long métrage de fiction. Puis je suis vraiment excité de ça. Il est un peu tôt pour qu'on mette le doigt sur un habitat sonore musical précis, mais j'entends des choses. J'entends. Ce que je trouve beau, c'est d'être le petit gars de cette île qui va chapeauter la musique de ce film-là. Tout d'abord, moi, j'ai grandi à cette île et j'ai côtoyé des Inuits à travers mes activités culturelles, beaucoup la musique, mais aussi le sport. On dirait que moi, ma vie s'est toujours déroulée dans un espèce de métissage des cultures, des genres. Après les nanas, ce couplet-là pourrait être plus doux. Celui-là, c'est vraiment le plus doux de la glace. Okay. Je suis vraiment excité par ça parce que on dirait que moi qui viens plus du folk dans la vie, qui va se retrouver à faire de la musique un peu contemporaine, orchestrale, sur un film tourné à cette île, c'est un beau match. Mmh.